Salut, salut tout le monde, salut. J'espère que vous allez bien. Salut, salut. On partage. Bonsoir, j'attends juste le corps du ciel de partager. J'espère que vous me recevez très bien. Si vous me recevez, je veux juste que vous me confirmez cela, qu'on me reçoit très très bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous me recevez? Désolé. Bonsoir tout le monde. En laissant le son aux autres de continuer de partager, faut partager, c'est important. Ok, merci Romuald, merci à vous, merci. je ne veux pas rire là. Il y a des gens qui me font rire, je ne veux pas rire. Hein. Cessez avec vos commentaires bidons là. Hein. Voilà, je ne veux pas rire. J'espère que vous allez bien. Voilà, de votre côté. Déjà. J'espère que le week-end s'est très bien passé. Quant à nous, oui, nous sommes là. J'avais promis de revenir par rapport à la situation sociopolitique de notre pays. Au vu regard, j'avais promis, j'ai fait une petite direct la dernière fois quand je suis sorti, je vous disais que oui, je devais revenir pour qu'on continue la causerie, la discussion. C'est vrai que la causerie devait s'étendre encore sur l'assassinat de Martinez Zogo, qui est très important de remettre le pied parce que ça a un aspect politique qu'il faudra forcément analyser et apporter notre opinion. Parce que c'est quand même des faisceaux d'indices que nous avions de plus en plus mûri ces réflexions selon laquelle ce coup répond à un agenda précis, très clair. Mais avant toutefois de m'étendre sur cette thématique, je veux nous rappeler que ceux qui se sont engagés pour le combat, il faut d'abord savoir que cet engagement est un engagement individuel. Vous vous êtes engagé parce que vous êtes pris d'une justice sociale. Et cet engagement est d'autant plus individuel que personne ne doit vous décourager. Je dis bien personne autour de vous ne doit vous décourager dans cet engagement. Nous devons le dire avec autant de tonalité, parce que nous avons l'impression que les gens s'engagent dans le combat politique parce qu'ils attendent une certaine réaction, soit du peuple, soit de certaines personnes, pour davantage manifester ou bien continuer dans leur engagement. Et lorsqu'ils stoppent leur engagement, ils ne comprennent pas que c'est eux, leurs propres responsables de ce désengagement. Mais ils commencent à accuser les uns et les autres et trouver des boucs émissaires. Le combat pour la libération des Camerounais, c'est un combat costaud. Parce que c'est un système qui s'est construit, pas aujourd'hui, qui existe depuis avant 40 ans. Donc nous luttons contre des forteresses, nous luttons contre un système incroyable qui sort souvent de toutes les analyses, que ce soit des géopoliticiens, des politiciens, des politologues, etc. Mais nous tenons le coup. Parce que ce que nous faisons comme combat est un combat noble, que nous estimons que les Camerounais ont droit à un meilleur. Le Cameroun ne doit pas continuer à être la risée dans ce monde entier. Nous pouvons donner le meilleur à ce pays. Et c'est possible, c'est pour ça que nous nous sommes engagés. C'est pour ça que nous avons décidé de sacrifier tout ce qui nous est cher. Même la mère patrie, cette patrie que nous adorons, le Cameroun. Même s'il faut qu'on meure ici, en exil, nous allons mourir. Mais
Il est important de dire aux Camerounais que la première arme que nous devons avoir, c'est la conscience de ce qu'il se passe. Quand vous êtes conscient de ce qui se passe pour le cas du Cameroun, personne ne peut vous décourager. Personne ne peut vous empêcher de continuer de mener ce combat. Et vous n'allez trouver aucun justificatif pour trahir ce combat qui nous est très cher. Nous sommes à l'aube d'une transition politique indescriptible 2025 où tous les cartes vont se jouer sur la carte. Et nous avons prévenu la plupart des activistes ou bien des militants et des combattants que sur ces cartes, il y a beaucoup qui vont trahir ce combat. Il y a beaucoup qui vont vous décevoir. Des gens en qui vous aviez mis votre confiance. C'est le combat. Mais que personne ne vous stoppe dans votre engagement. Que personne ne vous démobilise. Parce que c'est ce que l'adversaire recherche. Il y a des gens qui pourront crier « Oui, la révolution, oui, on veut le changement », qui auront le discours du changement, mais du jour au lendemain, vont vous régner, vont vous abandonner, vont se moquer de ce combat. Mais que ça ne vous dissuade point. Que ça ne vous dissuade point. Vous devez continuer. Insister. Que de se lever un matin, tu critiques le régime en place, tu critiques le comportement de certains caciques, mais du jour au lendemain, tu oublies que tu avais critiqué ces gens. Or, ce que tu disais était vrai, tu n'inventes pas. Tu as fait un constat clair et net de la situation sociopolitique de notre pays. Tu as dénoncé les tailles et les avatars de ce régime. Mais du jour au lendemain, tu t'assois sur la même table. Tu dînes, tu manges avec eux. Et tu insultes le combat que tu menais hier. Ne t'en prends pas à nous. Ne t'en prends pas à notre combat. Écoutez, il n'y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite. Nous sommes des activistes. Ce n'est pas foncièrement la perfection qui s'y trouve. Nous faisons aussi des erreurs. Mais ce n'est pas parce que nous faisons des erreurs que je remettrai en cause l'engagement de cet activisme. Que je me lèverai un matin et je dis à partir d'aujourd'hui, tel m'a énervé, tel a tenu un discours à mon endroit qui ne me plaît pas. On m'écarte là-bas. On ne me respecte pas. On ne m'accepte pas. Je ne gagne même pas l'argent là-bas. On ne me donne rien. À partir d'aujourd'hui, je vais servir le RDPC. C'est que tu n'as rien compris. Nous autres, énerve-nous. Chôme-nous. Nous, on est papa. On est là. Et même s'il faille que nous aillons, nous n'allons jamais nous associer avec le malheur de plus de 27 millions de Camerounais. Ce régime. Jamais. Nous allons faire comme le père Maître Yondo Black qui lui a mené un combat. Non, peut-être les gens ne le savent pas. Dans les années 90. C'était le précurseur de la démocratie. De l'avènement de la démocratie au Cameroun. Maître Yondo Black. Il avait son parti politique. Renseignez-vous. Mais la plupart de ses camarades de lutte, tous ont vendu le combat. Tous. Mais Maître Yondo Black, il avait tous les moyens. Il pouvait aussi dire, ok, comme ils ont abandonné, moi je vais faire comment? Je dois aussi rejoindre le RDPC. Le type a dit que de vendre ma conscience, mes idéaux,
Alors que j'ai combattu ce système avec toute mon énergie, tout mon esprit, toutes mes finances, je viens donner certaine légitimité à ce régime aujourd'hui. Alors, non seulement j'aurais détruit mon avenir politique, mais en même temps, j'aurais mis en difficulté ceux qui ont cru à moi. Qu'est-ce que le gars a proféré? Dans cette atmosphère, dans ce champ politique camerounais, nauséabonde, immonde, je préfère me retirer, je prends le recul. Mais je ne trahis pas mes idéaux. Maître Yondo Black a préféré s'écarter. Il pouvait aller s'allier, prendre aussi l'argent. On devait donner un poste de député ou bien de ministre. Il pouvait bien. Parce que c'était les précurseurs de la démocratie dans les années 90. Maître Yondo Black. À Douala, avec les Dikakwa, tout cela. C'est eux, on parlait d'eux. Les maîtres Yondo Black. Mais il a préféré se mettre à l'écart que d'entrer dans des conneries. Pour garder son originalité et son intégrité. C'est pour ça qu'il est respecté. Pour ceux qui savent. C'est des hommes que nous allons honorer par après. Et moi, il fait partie des hommes qui m'inspirent. Tu entends ça? Il fait partie des hommes qui m'inspirent pour la lutte des peuples. Mais tu vois des individus qui viennent, qui parlent changement. Parce qu'ils ont des petites frustrations dans des groupes ou bien des incompréhensions. Du jour au lendemain, décide d'aller défendre un régime qu'ils ont combattu hier. Mais vous êtes grave. Vous êtes pire. Malheur à vous. Je dis bien malheur à vous. Parce que ce que vous faites, je peux comprendre qu'il peut arriver des moments où vous soyez fatigué, vous soyez déçu par le comportement. C'est pour ça que moi je dis, quand on me dit non, le peuple là, tu crois, je dis jamais, moi je crois au peuple camerounais. Toi ne crois pas, moi je crois. On me dit tout le monde, non, c'est un peuple à bof, ils boivent. Quel est le peuple qui ne boit pas? Quel est le peuple qui ne boit pas? Quel est le peuple qui ne danse pas, qui ne joue pas? C'est pour ça que des fois, j'aime les paroles de sagesse de la Bible. Et l'une des paroles, parce que la Bible, il y a une parole de sagesse, même si tu n'es pas d'accord, il y a une parole de sagesse. Et dans les paroles de sagesse, je pense que c'est dans les évangiles, dans Romains. Quand les Romains voulaient se décourager, hein, quand Paul parlait aux Romains, quand les gars voulaient se décourager, parce que les Romains se plaignaient, c'est un disciple de l'apôtre Paul, se plaignaient que ceux-là, ils sont le cœur endurci, ils ne peuvent pas changer. Maître, ils ne peuvent pas changer. L'apôtre Paul a dit ceci. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Tu entends ça? Maintenant, si on fait le parallélisme, là où toi tu penses que le divertissement abonde au Cameroun, que le laxisme, l'immobilisme abonde au Cameroun, laisse-moi te dire qu'en même temps, c'est là-bas où se construit la véritable résistance qui mettra en difficulté le régime en place. Excuse-moi de te dire ça. Parce que la plupart de ceux qui nous écoutent aussi sont des chrétiens. Donc, pour faire passer véritablement le message, nous devons prendre cette image. Tu entends ça? Donc, les chrétiens, les Romains là-bas, certains chrétiens, se plaignaient devant l'apôtre Paul.
Les gars là sont endurcis, ils ne peuvent pas. Le message, l'évangile de notre Seigneur ne peut pas passer là-bas. Ça n'avance pas. Ils sont très endurcis. Les gars là pêchent, ce n'est plus bon, il n'y a plus espoir. L'apôtre Paul leur dit ceci. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Maintenant, moi je te présente cette image pour faire un parallélisme. Là où le divertissement abonde au Cameroun. Là où l'immobilisme abonde. Laisse-moi te dire que la résistance surabonde. Voilà le mouvement contre Orange et MTN qui est lancé. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Il faut toujours que ça vienne de quelque part. Et les artistes ont décidé de prendre le réel. Salut Karel Fosso. Vous dites pourquoi vous laissez Karel Fosso chanter? Voilà. Elle sait. Elle sait là où il faut être. Vous dites vous laissez les diplômes. Ils savent. Elles savent. Elles ne sont pas dans le divertissement pour être dans le divertissement. Toi, tu dis que j'écris ouf. Tu n'es pas content, dégage. Laisse-moi crier. C'est quoi? Tu n'écoutes pas. Oui. C'est mon originalité. Si ça te dérange, tu n'écoutes pas. Aussi simple que ça. Oui. Toi, tu écris pourquoi? Toi, tu fais quoi là? Si tu ne veux pas m'écouter, tu pars. Tu n'es pas obligé. Laisse-moi crier. La situation de mon pays ne me permet pas de parler. Non. Vous savez, pour que des mots pénètrent, il faut une certaine tonalité colérique. Tu comprends, non? C'est ça qui accompagne la communication. Le jour où le Cameroun sera calme, je vais parler doucement et posé. C'est tout. Tu ne m'as pas encore vu parler doucement et posé. Tu veux que je te tape les vidéos de plateau de télé que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai même eu Radio Belge ici qui m'avait invité. Va écouter. Tu vas comprendre. Ici, là, nous sommes ici, là. On doit exorciser les consciences. Et pour exorciser, surtout les Camerounais, tu dois exercer de l'électrochoc. Il faut créer l'insurrection morale, c'est mon rôle. Donc, tu écris, si ça t'énerve, dégage. Ouf. Dégage, ne viens pas. Je t'ai dit que je ne suis pas ici pour vendre un rêve. Ou bien certains. Je dis ça, je montre tout ce que je suis. C'est tout. Moi, je ne suis pas pour bluffer. Je ne donne pas. Je ne prends pas les réseaux sociaux pour vous fabriquer une vie. Je vous donne mon authenticité. Et vous avez le privilège de l'avoir. Donc, tu ne veux pas, dégage. Et pour le cas présent, on a des sujets qui fâchent dans ce pays. On ne peut pas se prononcer sur ce sujet avec beaucoup de simplicité. Non. Il faut une certaine tonalité colérique pour exercer l'électrochoc dans le subconscient de plusieurs. Comme ça, nous sommes sûrs que l'insurrection morale va pouvoir s'organiser dès à présent. Parce que c'est la conscience de ce peuple qui va le libérer. C'est clair. Il faut être clair avec. Il faut être clair avec. Donc, il y a plusieurs qui vont abandonner. Plusieurs vont être découragés. Sympa. Les deals se préparent. Vous voyez des gens qui sont en train de quitter là. Des jeunes là. Je ne veux pas citer leur nom. La plupart. Qui sont en train de retourner, aller dans le RDPC, tout ça. Mais ça doit vous renseigner. Il y a un, je l'appelle son nom. Le gars du sud, là, comment il s'appelle encore? Le nouveau membre du RDPC, qui a fait de la prostitution politique comme base élémentaire de ses ambitions politiques. Vous le connaissez. Comment j'oublie son nom, mais chaque vite fait comme ça. Comment il s'appelle? Qui n'a même pas honte de ce contre. Voilà, Sam Séverin. Merci. Le gars dit très bien
qui s'engage dans un nouvel RDPC. Il y a un nouvel RDPC qui se fabrique. Et avant, il y en a notre corps, notre grain. Le prêtre, l'autre, qui sont partis. Mais c'est des éléments à ne pas négliger. C'est des cartes qui se dessinent sous nos yeux. C'est des détails qu'il ne faut pas oublier. Ça se dessine sous nos yeux. Et lui, il a eu le droit de dire que je m'engage dans le nouvel DPC. Donc, il y a un DPC version revue et corrigée. Et c'est en train de se faire. À l'intérieur, les fils des dignitaires qui ont disparu, on est en train de reconduire. Et vous croyez que c'est le fils de Paul Biya qui va échapper à cette règle? Voilà le partage. Tous les fils dont les parents ont servi le père, quand les parents sont en train de mourir, on les remplace tranquillement par les fils. Et c'est un message fort qu'il faut prendre, qu'il faut considérer. Parce que Boïse estime que le Cameroun va se faire avec eux, de la nouvelle génération. Donc nous, on est là pour les accompagner. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Et beaucoup, quand ils veulent maintenant retourner, au lieu de dire que c'est parce qu'ils sont stoppés par des conditions œsophagiques ou des réclamations stomacales, voilà les véritables motivations. Ils se disent, bon, maintenant là, je dois manger. Il faut faire attention. Si vous avez faim, allez manger tranquillement. Mais ne mettez pas en cause notre mouvement, notre combat. Ne mettez pas en cause. Parce que ces hommes sont très dangereux. Ils viendront mettre en cause notre mouvement. Alors que les motivations qui les amènent à adhérer, c'est qu'ils estiment que, comme l'avenir se présage là, avec Franck Biya, eux aussi pourront partager. Ça ne sert à rien de mener ce combat. C'est très facile. Mais j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de choisir le mauvais camp. Parce que ce camp va se stopper. C'est une certitude mathématique. Pas par magie. Mais ça va se stopper parce que la maturité politique du peuple va nous amener à stopper ça. Je voulais dire, la chance que nous avons dans cette histoire de succession dynastique, c'est que les pays frontaliers au Cameroun ont expérimenté le même schéma et ailleurs. Donc, contrairement à d'autres pays où la classe politique n'a pas éduqué, n'a pas formé, n'a pas préparé le peuple par rapport à une quelconque succession dynastique à la tête de l'État. C'est pour ça qu'ils ont été surpris. Parce qu'il y a des deals sur le plan diplomatique. Il y a des négociations. Il y a un peuple qui n'a pas été préparé à ça, qui a été surpris. Et on les a imposés de manière brutale. Mais la chance, c'est que nous, Camerounais, nous sommes en train de vivre quelques échantillons de la mise en place de la succession dynastique à la tête de notre État. Maintenant, le Cameroun doit comprendre. Non seulement nous ne sommes plus. Non seulement nous combattons le régime de Paul Biya, mais nous devons combattre la reproduction de ce régime après lui. Donc moi je suis plus préparé seulement à voir le départ de Paul Biya. Mais non seulement le départ de Paul Biya, mais aussi son successeur. Voilà comment nous conditionnons notre état mental, psychologique, physique, intellectuel, etc. Donc pour nous, on ne s'arrête même plus seulement sur le départ de Paul Biya. Paul Biya doit partir, mais aussi
l'un de ces prolongements physiques qui est Frambia, ils vont dégager tous ensemble. Donc c'est pour ça qu'il faut donner des éléments au peuple camerounais pour qu'il se prépare à ça. Or, mais qu'est-ce qui vient aujourd'hui? Que ce régime se prépare fortement dans ce sens-là, alors qu'on embrouille des Camerounais. Mais Frambia a hérité de l'expertise de son papa. Parce que son papa l'a rappelé devant le président français François Hollande. Ne dit au pouvoir qui veut, mais qui peut. Ça veut dire que Frambia a une recette à lui qui lui a permis de tenir et pitié jusqu'à aujourd'hui. Et cette recette lui a permis de tenir même quand il devait être dans des conditions humainement difficiles, mais de tenir avec son pouvoir. Et c'est cette recette que son fils Frambia utilise. Tu vas entendre les choses. Ce qu'il faut savoir, les choses basculent véritablement en 2018. Frambia résiste en 92 avec les élections où il réussit à avoir une certaine stabilité politique pendant 20 ans, où il a réussi à phagocyter l'opposition camerounaise qui sont devenus finalement des amis pour maintenir les Camerounais dans une certaine condition de désolation permanente, aucune proposition, et ils ont contribué à dépolitiser le peuple camerounais. Les gens n'étaient plus intéressés parce qu'on n'y croyait plus à une opposition véritable au Cameroun. Donc, il a réussi à avoir cette stabilité politique après les années 92 où c'était difficile, où il a failli perdre son siège. Pour bien compris qu'il fallait donc régner par la force, mais en même temps utiliser des fragilités de l'opposition camerounaise et utiliser les éléments tels que le tribalisme pour se maintenir au pouvoir. Et non seulement pour se maintenir au pouvoir, mais se rassurer davantage que ses collaborateurs, qu'ils profitaient de l'immobilisme de l'État pour s'enrichir, mais que ses collaborateurs ne deviennent pas des puissances qui pourront mettre en difficulté son régime. C'est le même schéma. Donc il fallait contrôler tout ça. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, les experts disent, certains experts, hein, certains politologues, partout, tout le monde est d'avis que la plupart de ceux qui sont en prison ne sont pas véritablement en prison parce qu'ils ont détourné seulement des fonds, mais ils sont en prison parce que c'est une épuration politique voulue par M. Paul Biya, parce que la plupart de ceux-là étaient ceux qui pensaient à la succession de Paul Biya depuis 2011, avant 2011. Qu'il fallait passer à autre chose. Et Paul Biya jouant avec les services d'intelligence, jouant avec toutes ses sources de renseignements, a donc mis en difficulté certains de ses collaborateurs qui se sont illicitement enrichis et qui pouvaient faire basculer des choses et qui avaient des connexions non seulement en interne mais aussi à l'extérieur pour mettre en difficulté le régime de Paul Biya. Paul Biya a su taire ses contradictions. Mais le travail de ce Paul Biya pour se maintenir au pouvoir, il ne le fait pas parce qu'il croit à la démocratie. Je vous l'ai toujours dit. La démocratie en Afrique, c'est une escroquerie politique. Ça n'a rien fait. Pour ceux qui y croient, c'est du banditisme. C'est n'importe quoi. Quand quelqu'un travaille à se maintenir au pouvoir de cette façon,
enrichir son clan. En s'enrichir. C'est pas pour donner ça à quelqu'un d'autre, par la voie démocratique. Sinon, les acquis issus de son vol ne pourront plus être garantis. Si celui qui vient le succéder, pour il n'y a pas contrôle sur cette personne, alors il risque de mettre en difficulté son héritage politique. Donc celui qui peut assurer tout ce banditisme-là, c'est quelqu'un, non seulement qu'il aurait de l'emprise, mais quelqu'un qui sera attaché fortement à l'héritage construit par Paul Biya. Et la personne légitime et claire pour M. Paul Biya, c'est son fils. Son fils peut tout faire, mais il ne peut pas trahir le clan. Parce que ce n'est pas son père qu'il a eu tout ce qu'il a eu. Et il est redevable envers son papa. Et s'il y a quelqu'un qui peut garantir l'héritage politique de papa, c'est Franck Biya. Mais Paul Biya fait expressement d'écarter son fils du circuit politique. Parce que étant le seul sur qui il misait, parce qu'il n'a pas d'autre, sur qui il pouvait miser, il n'a que celui-là. Or, si celui-ci était trop exposé à la lumière, les adversaires de Paul Biya, ou bien les collaborateurs de Paul Biya, qui pensent qu'après Paul Biya, c'est eux, devaient vite fait l'éliminer. D'ailleurs, il y a une rumeur qui a circulé que Franck Biya a été empoisonné. On n'exclut pas tout. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Moi, je doutais. Mais le jour, la veille de l'anniversaire de son papa, 2 jours avant, il a voyagé par Air France. Il est fou. Il n'était pas bien. Apparemment, il était venu se traiter en France. C'était chaud. C'est là où j'ai confirmé que c'est sûr. Donc, il ne fallait pas exposer le fils. Parce qu'il est l'unique. S'il disparaît, bon, je ne dis pas unique, genre, il a d'autres, mais l'autre est petit et l'autre est... Apparemment, l'autre n'est pas très normal. Donc, on ne peut pas trop miser sur l'autre. Sur Junior. Donc, celui qui peut faire l'affaire là, c'est Franck. Et qui a été préparé à ça. Donc, pour bien sachant qu'il a une stabilité, que toute l'opposition, il y a une opposition qui émerge sous ses yeux. Une opposition qui tient le discours du peuple profond. Une opposition qui refuse d'être une opposition classique, dénoncée pour dénoncer. Après, on s'amuse comme on veut, comme des petits copains. Mais une opposition sérieuse. Qui décide de porter les aspirations profondes du peuple. On a tout utilisé pour mettre en difficulté cette opposition. Ça n'a pas donné. Et l'originalité que cette opposition a eue, c'est qu'elle a réussi, pour une fois, de donner un aspect médiatique au contentieux électoral en 2018. Qui a démontré à la face du monde, devant les Camerounais, la supercherie des élections au Cameroun. Du jamais vu. Où on pouvait ramasser des individus qui ne représentent rien, qui viennent se présenter à vous. Et ça, ce sont des recettes qu'ils ont toujours utilisées. Qui viennent se présenter à vous comme étant les représentants des Transparency, alors que c'est des petits voyous de bandits qu'on a ramassés quelque part, venir naguer le petit nègre. C'est ça la mentalité. Et ça, ça a toujours été les recettes qui existaient.
Mais l'opposition camerounaise, ils ont exposé. Ils ont donc, ils ont donné un aspect médiatique au contentieux de nos élections. Et tout le monde a observé la supercherie. Première conséquence, la diaspora qui est acquise. Est-ce que vous voyez encore les danses et les célébrations ici en diaspora quand pour bien On a tessé ça. L'une des dernières célébrations, c'était encore les histoires des salaires de café de commerce là, le 6 novembre. On a tapé les bêtises. C'est quoi ça? Or, avant 2018, elle était acquise. Quand le chef de l'État décidait de se déplacer, c'était des danses et des célébrations, des folkloriques, etc. Quand on a vu ça, 2018, la supercherie, on dit à partir de cet instant, c'est terminé. C'était. Il est d'urgence que le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise, nombreuse en diaspora, s'organise pour stopper cette mascarade. Et ça a marché. Pauvre qui se baladait, ses ministres partout en Europe, sans crainte, sans rien, ont compris que le rapport de force a changé. La diaspora s'est organisée. Ce n'est pas quelqu'un qui a financé la diaspora ou bien qui a pensé. Qu'on ne vous mente pas. Personne n'a pensé au combat de la base. Personne, qu'on ne vous mente pas. Tous ceux qui parlent sont des usurpateurs. Personne. Il n'y a personne qui a théorisé ça. C'est pour ça que personne ne peut se réclamer de la paternité de la brigade anti-sadia. Tu te réclames ça, nous on te tape. C'est quoi? Ouf, tu es qui? C'est un voulu, c'est un construit spontané du peuple camerounais. Maintenant, nous, on a juste eu la chance d'être là pendant la phase embryonnaire. Tu entends ça? Mais ça ne nous donne pas droit comme état fondateur ou bien voilà, paternité. Le jour où nous mettons des gammes, on nous botte, on nous dit non. Tu entends? Donc, le jour que tu veux pervertir ce mouvement, on te chicote, on te met de l'or. Et tu ne peux pas démissionner. Les gens qui gardent la fibre révolutionnaire, impossible. Ce n'est pas ton mouvement. Si c'était le mouvement de quelques-uns, mais nous ne parlerons plus au nom de ce mouvement. C'est qu'on nous a bouté depuis. Tu as vu qu'on nous a démissionné quelque part. Nous, on a pris le papier, là, le torchon, là. On a essuyé comme du papier hygiénique. Donc, je veux boire de l'eau. On s'est organisé de manière spontanée pour empêcher ces mécréants de se balader partout en Europe. La frustration d'un peuple. Nous avons su réorganiser, structurer cette frustration. Ça a explosé. Après plus de 20 ans, après 90-92, Paul Biya voit une nouvelle menace. Et si un truc qui a fragilisé le régime de ce monsieur, c'est le mouvement de 2018. Cette opposition. Mais qui a su tenir un message, qui a fédéré les Camerounais de la diaspora, qui a su construire un rapport de force et mettre en difficulté les institutions. Paul Biya était fragile. Il était en difficulté. Ça n'allait plus. Toutes les recettes qu'ils ont voulu utiliser pour mettre en difficulté notre monde, ça n'a pas marché. J'ai vu la symbiose d'un peuple. J'ai vu l'unanimité d'un peuple. La vision d'un peuple. Personne ne pouvait. Après quelques trahisons, nous avons marqué. Paul Biya se sent
Il vient se traiter. On le chasse, on l'humilie. C'est pour ça qu'il nous en voudra. C'est pour ça que nos noms sont à l'aéroport de Douala. Bien consigné. Mon nom est consigné là-bas. Tu crois que ça ne va pas? Tu crois que ça ne va pas? Je te dis donc. Mon nom est consigné. Stéphane Tchoumbo. Donc c'est le genre que dès que perd le bien d'avion là, on m'attend sur... Je ne viens pas, mouf. Dis que je ne viens pas. Dis que j'ai peur. Je ne viens pas. Je fais mon combat à distance. Oui, je ne viens pas. Dis que c'est la lâcheté. Oui, j'ai peur. Toi, va. Moi, papa. Je ne pas. Ma force, c'est ici. Oui. Je ne viens pas. Mon nom là-bas. Tu dis que j'ai su ça comment? Je te donne aussi mes sources. Ça nous trouve. Tabs, on s'assoit, ça nous trouve. Faites vos choses. No one day. Je ne viens pas. Je ne m'attends pas. Tout à ça. Les gars sont fragiles. Ils ne savent pas comment faire. Au-delà de l'opposition, où ils ont tous les moyens d'écraser, d'enfermer. Mais il y a un rapport de force qui s'est construit à l'international. Comment on va faire? Le pouvoir de Biya se sent fébrile, en difficulté. Il est important de repenser. Mais rappelez-vous que le fils ne s'entend pas avec la première dame. Oh, j'ai peur que ce direct ne dure. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à expliquer. On va arriver. Ne soyez pas pressés. Je veux que vous compreniez. C'est pour la mort de Martinez Ogola. Vous allez comprendre. Il faut que ça vous... Nous sommes obligés de vous donner, de faire l'historicité du combat. C'est important. Vous allez comprendre beaucoup d'affaires. Vous allez comprendre l'histoire de l'assassinat de Martinez Ogola. Nous sommes obligés de convoquer l'histoire. Vous allez comprendre. N'oubliez pas que pendant cette période, non seulement Paul Biya est en difficulté à l'extérieur, et eux-mêmes, ils croient qu'il y a une complicité interne autour d'eux. Paul Biya a peur de tout. Ou il estime que il y a une conspiration de ses collaborateurs contre son peuple. C'est pour ça qu'on arrête Ngongo. Ngongo même est arrêté subitement. Et vous savez le procédé. On a utilisé quelques agents dormants ici, là, dans la diaspora. Qui ont livré une information que c'est Ngongo qui finançait là-bas. C'est tout ça. Pour précipiter son arrestation. Parce que Paul était convaincu. Donc à l'intérieur, ça n'allait pas. Il était convaincu qu'il était en train de perdre son pouvoir. Ils ont donc redoublé. C'est pour ça qu'on a donné tous les moyens, la force à Tangandi de mater l'opposition. Il fallait arrêter Maurice Kamto. Ça allait partout. Les gars ne comprenaient plus rien. Paul Biya savait qu'il perdait son pouvoir. En 2018, il était conscient de ça. C'est pour ça qu'il y a une certaine folie. Ils ont décidé d'arrêter le Maurice Kamto et toute son équipe. Il fallait voir toutes les stratégies de répression où on collaborait avec les chefs de quartier des élites et des jeunes désœuvrés pour arrêter tout manifestant qui demande un mieux-être pour les Camerounais. C'est schizophrénie. Ils sont devenus schizophrènes subitement parce que les gars réalisaient qu'ils étaient en train de perdre le pouvoir. C'était dur pour Paul Biya, son entourage. Tous tremblaient, on avait peur de tout le monde. Le type s'est barricadé. Même ses collaborateurs n'avaient plus accès à lui. C'est pour ça qu'à un moment, la rumeur selon laquelle il était mort, on a laissé expressément circuler une rumeur.
forcément. Parce qu'il a été choqué. Il n'a pas compris comment un rapport de force, une opposition déterminée, a pu se construire. Et que le discours a été tenu par ceux de la diaspora. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais Paul, bien une fois de plus, doit sauver son pouvoir. C'est important de comprendre ça. Il doit sauver son pouvoir par tous les moyens. Et ceux qui doivent l'aider à sauver son pouvoir, parce que la plupart des militaires, des activistes, vivent en France, en Belgique. Et ceux qui doivent l'aider dans ces conditions-là à sauver son pouvoir, c'est la France. Et la France n'attendait que ce moment propice. Vous allez écouter les choses. Il faut comprendre des choses. Il faut comprendre des choses en politique pour avancer. C'est pour ça des choses qu'on ne peut pas pardonner à certains. L'une des grandes manifestations, la manifestation du 18 mai 2019, la France envoie le Quai d'Orsay. L'Élysée. On dépêche des émissaires du Quai d'Orsay. Ce jour, je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance. Les deux envoyés du Quai d'Orsay, j'étais avec un ami et frère, que je tairai le nom, qui m'est fidèle. Lui, il est né ici, il est né en Europe. Il est né en France, un Français lui-même. Mais il est très engagé. Un ami et frère. Il me suit toujours à ses combats. Pour le moment, il n'est même pas là. On vient vers lui. Il m'appelle. Je discute avec, je vais le dire aujourd'hui, je ne l'avais jamais dit. Je discute avec les deux individus. Ils présentent leur carte. Ils se présentent. Ils disent qu'ils sont envoyés par le Quai d'Orsay. Ils veulent à tout prix rencontrer les organisateurs de ce mouvement. Moi, j'aime le jeu de la transparence. Et dans ces histoires politiques, j'aime pas jouer solo. Et ceux des combattants qui sont là peuvent témoigner. Qu'est-ce que j'ai fait? Directement, je les ai envoyés chez le professeur Nianti. Qui était là. Il a dit, allez voir cet aîné. Après, il a soufflé par rapport à que c'est moi qui t'envoie ces gars qu'elle le sait. J'ai vu le général Wanto. J'ai vu certains des aînés, tous. Et les jeunes activistes, tous ceux qui étaient là. Ils ont discuté et ils ont laissé le contact. Ce que j'ai décidé, j'ai demandé qu'après la marche, il y a urgence qu'on se rencontre, on puisse discuter. Et c'est le professeur Nianti qui devait superviser cette causerie. Qu'on s'organise et on délègue. Parce qu'il fallait que ça bénéficie de toutes les composantes et soit transparent. Je vous assure, même quand je l'ai fait, je me suis écarté expressement parce que j'estimais que on avait déjà deux de nos représentants. Moi, j'ai fait exprès de me, j'ai dit, je donnerai caution à ce que la majorité aura décidé. Mais travaillons pour l'intérêt du groupe. C'est tout ce qu'il attendait. On a livré l'information, les contacts, on avait les contacts. J'avais les contacts. Et des rencontres devaient s'organiser. Mais vous voyez, ce n'est pas évident. Toujours entre nous, les Camerounais. C'est allé comme c'est allé. Mais pourquoi je relève ce détail? C'est qu'en fait, Paris a compris l'enjeu. Et Paris a toujours voulu écouter le message de la diaspora. Vous savez, Paris fonctionne comme ça. Ils ont une certaine duplicité congénitale. On peut prendre les oppositions, manœuvrer avec les oppositions pour mettre en difficulté. Mais je pense que c'était une bonne chance. Ça n'a pas marché, ce projet. Parce que, toujours le problème de leadership, ça allait dans tous les sens. Et le projet a capoté. Mais vous avez vu par la suite ce qui s'est passé. Je ne vais pas entrer dans ce détail. Mais vous avez vu un de nos camarades qui a rencontré Macron. Mais je n'entre pas dans les détails. Je n'entre pas, j'ai tout ça.
Ça va dans la même logique. La France, dans sa politique, est fière parce qu'elle a réussi à infiltrer le mouvement. Et je vous le dis, après la rencontre de Macron, la première conséquence, ce que les gens ne savent pas, première conséquence de cette rencontre, moi j'ai été muselé. On m'a dit, tu ne parles plus mal de la France sur la page de la basse. On m'a tapé sec. On m'a dit ça. C'est pour ça qu'on dit que je suis jaloux. J'ai dit, oh, je suis jaloux d'elle. Première, la rencontre, la première conséquence que vous ne savez pas. Tu parles plus mal de la France sur notre page. J'ai dit pourquoi? On a fait un certain nombre, on a fait un certain nombre de débats. On attend que ça se concrétise. Dans tes points, j'ai dit ah bon, je me tais. Ok, je me suis tué, non. Mais heureusement qu'on ne peut pas tuer ce qui est juste et vrai. Même le temps nous donne toujours raison. On était incompris à l'époque. Mais la sagesse avait voulu qu'on garde le silence. C'est important. Sinon, les gens devaient confondre notre alerte à de la jalousie. Mais heureusement que le temps, qui est le seul maître, sait nous éprouver et expose chacun. Mais le deal de la France, c'était d'infiltrer le mouvement, casser le mouvement et de donner les recettes au régime en place. C'est pour ça que Paul Biya, qui est fatigué, n'hésite pas de venir sous la demande d'Emmanuel Macron en France. Il est venu à Lyon, il est venu à Paris. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'existence, la continuité, ou bien la survie de son régime politique dépendait à l'heure actuelle de la France. Et la France a manipulé des individus qui ne comprenaient rien. C'est pour ça qu'ils sont allés faire le simulacre d'immolation. Parce qu'ils étaient fascistes, ils ont compris qu'on les avait utilisés dans un deal. La France les utilisait juste pour faire pousser le deal, pour mettre en difficulté le régime de Yaoundé. Et que Yaoundé cède par rapport à certaines concessions. Et Yaoundé a cédé. La France a repris. Et avec les aspects géopolitiques qui avaient, la France avait besoin du Cameroun. Nous, on te parlait. Tu ne nous écoutais pas. La différence, peut-être on ne se vante pas. Mais on a une lecture politique des choses dans ce pays. On connaît qui est la France. On peut rire avec elle. On peut danser. Mais on sait exactement qu'elle ne nous aime pas. On connaît la duplicité. Ce n'est pas notre ami. On ne nous vend pas le rêve. La France t'a utilisé. Elle voulait atteindre ses objectifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne peux plus avoir contact là-bas. Ils ont bloqué tout. Mais cette histoire, c'est notre histoire. On va consigner ça. Ça doit nous permettre. Il faut enseigner ça. Ce n'est pas le Congo, ça. Ce n'est pas le Japon. On discrédite personne. Chacun a ses limites. Mais si vous n'êtes pas conscient sur le terrain dans lequel vous jouez et que vous voulez mettre vos individualités en avant, ça peut se retourner très mal contre vous. Si vous êtes transparent, soyez transparent jusqu'au bout. Il y a moins de chauffeurs. Paul Biya est venu deux fois. Celui qui ne se déplace pas comme ça. Paul Biya venait pour négocier sa survie. C'était difficile. Et la France aussi a besoin du Cameroun avec la donnée géopolitique. Parce qu'autour, tu as quand même la Russie qui est en centrafrique, qui menace. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre pourquoi le gars est mort. Vous allez comprendre. Bon. Vous allez comprendre. C'est parce qu'il n'y a pas trop de temps. Subitement, Paul Biya qui connaît que la France a la recette du maintien des dictatures. Il est obligé de se soumettre. Et c'est pour ça le discours selon lequel c'est la France qui avait pris le contrôle du Cameroun. Il y a une pétition qui a été établie par Agnès à l'époque. Même si les gens disent, mais c'était important pour nous autres qui avons la lecture.
Quand Yamsi expliquait que c'est Guéou, mais en fait, c'est que à l'époque là, pendant que le régime était fébrile, la France est entrée en action pour sauver le régime en place. C'est pour ça que quand les gars comme les Niamsi, le professeur Niamsi disait que c'est Guéou qui gère, il avait raison. Il avait raison. En fait, c'est l'Élysée, pas Guéou, qui implémentait la politique parce qu'ils étaient affaiblis. Parce qu'ils avaient perdu vraiment le souffle. Et l'opposition avait gagné l'opinion. Partout, le régime était en difficulté. C'est la France qui ressuscite ce régime. Mais pour bien fatiguer cette recette et cette lutte, il n'a plus la même vigueur, il n'a plus le même âge, la même force, la même détermination. Donc, il risque de tomber. Ça risque d'être difficile. Et plus grave, c'est qu'à l'intérieur de sa famille, ça ne va pas. Tu as la première dame et le fils qui ne s'entendent pas. C'est pas bon. Ça alimente davantage les clans qui risquent de mettre en péril le pouvoir de Paul Biya. Tu vas écouter les choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En urgence, parce que je vous rappelle ça, allez, rappelez-vous de la vidéo, les législatives. Toi, tu vas dire que comment ils s'entendaient? Non. Rappelez-vous que pendant les législatives, Chantal arrache à Ayolo un bout de papier qu'il voulait transmettre. Et vous voyez qu'elle passe, elle ne regarde même pas Frambia. C'était l'imitié entre les deux. Ils ne s'entendaient pas. Vous aviez vu ça. C'était chaud. Quand les gars décident, la France décide, la France les invite. Et rappelez-vous, Chantal est venue. C'était l'avant, je pense, l'avant-dernier voyage de Paul Biya. Quand il venait, il est venu une fois là, se traiter, elle s'est retrouvée à Nice. Elle s'est retrouvée à Nice à un défilé. Son mari était à l'hôpital pour contrôle. On croyait que ça allait mal et tout ça. Rappelez-vous qu'elle était à Nice. Mais nous avions eu les informations. Avant qu'elle ne parte à Nice, elle avait eu des rencontres avec des officiers français. Ceux qui savent, qui ont bonne mémoire. Et tandis qu'elle était à Paris, elle devait même déménager sa fille. Il fallait qu'elle retourne avec sa fille. À l'époque, on a toutes ces informations. Elle devait rencontrer des officiels français. Ces officiels, ces conseillers, on lui a dit que s'il veut garantir l'héritage politique de Paul Biya, ou bien la survie, la première des choses, c'est se réconcilier. Il faut réconcilier la famille. Le fils et la belle-mère doivent se réconcilier. Donc la réconciliation de Franck Biya, c'est la recette imposée par la France. On leur a dit que si vous voulez garantir, si vous voulez donner, sauver le régime de Paul Biya, il y a urgence de vous réconcilier. Sinon, ça mettrait vos désaccords, mettrait en péril le pouvoir de Paul Biya. C'est pour ça qu'il y a une réconciliation qui se fait. Et Chantal, allez voir. Aujourd'hui, elle est très heureuse. Et Franck, ils sont très heureux de balancer la photo. Vous voyez, depuis un certain temps, quand il y a l'anniversaire de Paul Biya, bien encore, vous voyez que elle montre clairement comment elle avait Franck Biya. C'est un message, peuple camerounais. Oh, ceux qui croyaient que notre Dieu, nous sommes réconciliés maintenant. Oh, c'est un deal politique. Parce que Chantal est capable de mettre en difficulté Franck Biya pour cette succession. Tu vas me dire comment? C'est elle qui fait le petit coup matinal, le PCM.
à Paul Biya. C'est elle qui le garde. C'est la femme du président de la République. Que tu le veux ou pas, cette femme a un cercle d'influence. Elle influence dans le jeu politique camerounais. D'ailleurs, elle a imposé des nominations à son mari par le passé. Et ce gars ne peut pas la fragiliser comme ça. Donc le gars a compris. On lui a expliqué que pour le bien, et si lui, il voulait succéder à son papa, il était important qu'il s'entende avec sa belle-mère. Mais dans cette entente, il doit la laisser manger et elle aussi doit le laisser manger. Ils ne doivent jamais se neutraliser. Mais la fonction de première dame, ce n'est pas une fonction. La constitution camerounaise ne cadre pas le rôle de la première dame. Et être le fils du président, la constitution camerounaise n'encadre pas ça. Mais ce gars, le fils, comme la première dame, influe sur la vie politique camerounaise. Mais comment ils vont influer? Il faut qu'ils aient donc des hommes riches, des personnalités. Parce que sur le plan protocolaire, ces deux individus n'interviennent pas. Sur le plan protocolaire, au niveau de la hiérarchie des décisions, ils n'interviennent pas. Ce n'est pas garanti par la Constitution. Mais comment ils vont donc influencer dans la vie politique camerounaise? Il faut qu'ils aient, à l'intérieur de l'établissement, des personnalités bien placées qui pourront permettre à ces deux d'intervenir dans le champ politique camerounais. C'est pour ça qu'Ngongo est plus rapproché à Chantal Biya, qu'il écoute plus. Il est directement aux ordres de Chantal Biya. Elle a plusieurs personnes autour. Mais la personne, parce que lui, il a une délégation de signature, donc elle intervient facilement par lui. Mais est-ce que vous oubliez, Franck Biya a Samuel Ayolo. Peut-être ce direct, parce que je pense pas avoir le temps, j'ai plus le temps pour faire des directs. Je suis obligé de liquider ça aujourd'hui. Si on vous dit en semaine, c'est pas si je vais revenir, mon temps, je n'ai plus mon temps moi-même. Et faire ça, il va encore disparaître. Donc on doit finir seulement ça. Je sais que c'est long. Mais Franck Biya doit intervenir. Mais par qui doit-il intervenir? Il interviendra donc par le directeur du cabinet civil. Donc, il y a deux dualités au sommet de l'État. Mais nous sommes en politique. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et ils ne sont pas naïfs. Ils savent que la plupart autour, ils savent que la véritable menace aujourd'hui, c'est le collaborateur de Paul Biya. Ceux-là qui guettent le pouvoir, ils sont conscients de ça. D'ailleurs, je vous l'ai dit, que les véritables conseillers de la présidence du Cameroun sont les Français. Et c'est eux qui conseillent à Franck Biya. Parce que je tiens à vous rappeler, avant 2020, Franck Biya effectuait juste les déplacements, il vivait beaucoup plus en France avec sa famille. Ici en Europe. Mais depuis 2020, les conseillers français lui ont dit qu'il est important de plus se rapprocher du pouvoir. Franck Biya a décidé de se sédentariser au Cameroun en 2020. Après l'histoire Covid, là, il a décidé, il est installé maintenant. Il est plus présent au Cameroun. Depuis 2020, il s'est sédentarisé au Cameroun. Et d'ailleurs, il prend le déjeuner avec son père, il fait tout. Rien ne se fait autour de lui.
Rien ne se fait avec son papa sans qu'il ne soit là. Tout ce qui se passe à la présidence, même si on ne vous montre pas les photos. Franck Biya, c'est lui qui organise tout, c'est lui qui décide tout aujourd'hui. Mais dans toutes ses décisions, il sait qu'il y a des limites. Il ne doit pas court-circuiter le champ de la première dame. C'est pour ça qu'il s'entend. Donc, quand on les a conseillés de faire la paix, et elle le sait très bien, que lorsque il y a une dévolution de pouvoir dans le précaré français, elle sait que la règle, la plupart du temps, la seule règle que la France a toujours cautionnée, validée, c'est la succession du père par le fils. Et Chantal Biya ne peut pas échapper à ces règles, c'est qu'on la liquide. Elle le sait très bien. Mais Chantal Biya ne peut pas être meilleure, on ne peut pas la mettre en difficulté aujourd'hui. Parce que si cette dame est en difficulté, elle pourra nous servir, elle pourra servir au peuple camerounais beaucoup d'informations sensibles pour mettre en difficulté si elle est écartée. C'est pour ça que Franck est obligé de composer avec elle. Et ils sont obligés d'écouter, de céder à ses caprices. Parce que c'est elle qui se rassure que le père ne doit pas pisser sur lui. Ils n'ont pas fait caca sur lui. Elle doit jouer à toute cette comédie. Mais elle ne joue pas à cette comédie si elle ne bénéficie de rien. Et d'ailleurs, dans cette comédie, on lui a promis qu'après, même s'il advient que le père tombe, elle aura toujours sa place. Parce qu'elle a participé au transfert du pouvoir au fils. Et c'était le vœu du père. Et si le fils d'honorer le père, il ne peut pas régner cette dame de Chantal. C'est pour ça qu'ils sont des alliés. Mais entre-temps, la plupart des caciques sont au courant de la situation de Paul Biya. Ils savent que ce type n'est plus apte au pouvoir, au commandement. Ils sont renseignés. Ils ont des tentacules. C'est le business. Même à l'étranger, même ici en France, on leur donne des informations aussi sensibles. Suis-moi bien, tu vas comprendre où je vais chuter. Donc, la plupart savent que Paul Biya, il est là. Il est au crépuscule de sa vie. Donc, vous pouvez vous lever un matin, on vous dit le président de la République du Cameroun n'est plus là. Mais la plupart de ces ponces, de ces pontes du régime, n'ont pas encore accepté ou intégré la prise du pouvoir par le fils. Et surtout que il y a eu des éléments qui ont circulé en présentant son fils comme étant un brouillon. Rappelez-vous très bien. Il y a des presses qui ont été payées, financées, pour présenter une certaine opinion. On a conçu une certaine opinion comme présentant, comme étant un brouillon. Or, cette rhétorique n'émane pas du peuple. C'est la fabrication de certains pontes, de ce régime, pour mettre en difficulté le fils. Parce qu'ils estiment que le fils ne peut pas prendre après le père. Ne les voyez pas tous là, c'est l'hypocrisie. Paul Biya le meilleur, c'est l'hypocrisie. Tous sont en train de travailler à la succession de Paul Biya. Tous. On les connaît. Mais le régime en place a donné les moyens à certains hommes. Les a construits financièrement. Leur a tout donné. Mais en retour, ce qu'ils attendaient, c'est que ceux-ci soient loyaux envers le régime qui leur a tout donné. Et surtout, ne jamais guetter. Merci. On me dit, bois un peu d'eau, merci.
Le sujet est tellement passionnant. Mais je vais prendre plus de temps. Faut que parce que si je vous dis, je remets ça, hein, je suis plus sûr de revenir. Le temps ne m'appartient plus. Hein? Nous sommes obligés de liquider ça. Faut comprendre. Ce régime a fabriqué, a fortuné, a enrichi beaucoup d'hommes. Mais eux, derrière, devaient faire le griotisme, l'apologie de ce régime. Mais sans, en évitant de guetter au pouvoir. Ils ont su le faire. Ils l'ont fait subtilement. Mais quand vous construisez des hommes, vous leur donnez des moyens, ils deviennent hyper puissants. Ils sont prêts à soumettre tous leurs collaborateurs ou bien leurs semblables à rien sans se limiter. Mais pour que le désir de ces individus arrive véritablement à se matérialiser, il faut un certain pouvoir. Il ne suffit pas juste d'avoir le pouvoir économique ou financier, ça ne suffit pas. Parce que le plus grand pouvoir, c'est le pouvoir politique. On ne vous trompe pas, c'est le pouvoir politique. C'est le pouvoir. Tu peux être financièrement riche. Tu peux être costaud plus qu'un président. S'il signe son décret, il met en difficulté tes entreprises, c'est mort. C'est pour ça que le président de la République d'un pays, c'est lui qui a la vie et la mort sur chaque individu. Pas bien, par un décret, est capable de t'appauvrir. Par un décret, est capable de t'enrichir. Malheureusement, on est dans des pays où il n'y a pas de séparation de pouvoir. C'est un Jupiter constitutionnel. Il décide de tout. Toutes les institutions de la République ne dépendent que de la présidente, de l'exécutif. Même pour des décisions de justice, on doit se référer à la présidence de la République. Donc c'est le Jupiter constitutionnel, c'est lui qui dépend. Mais il y a des hommes à qui le régime a tout donné, qui ont ce pouvoir financier, économique, mais qui n'arrivent pas à exercer leur force, qui n'arrivent pas à exercer leurs envies les plus mortifères. Soumettre véritablement sans qu'on les inquiète. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut le pouvoir politique. Même si ce n'est pas eux. Il faut qu'ils aient des hommes avec qui ils ont des alliances, des deals les plus secrets. De tenir ce pouvoir politique. Alors là, ils se permettront d'écraser qui ils veulent sur leur chemin. Toi, t'as ça. Dieu va arriver quelque part pour que tu comprennes. Donc, la plupart des collaborateurs de Paul Biya savent. Ils ne sont pas fous. Dans les chaînes de télé, partout, ils acclament, ils applaudissent. Ils vendent à l'imaginaire populaire camerounais un Biya puissant, un Biya fort, un Biya construit, un Biya qui est là, qui veille sur tout. Or, eux-mêmes, ils savent, des véritables hypocrites, que Paul Biya expérimente ses derniers jours sur la terre des humains. Ils le savent très bien. Ils attendent juste le jour où il va fermer cela. Mais les collaborateurs, étant donc surpris, comprennent que le fils, contrairement à ce qu'on faisait penser aux gens hier, que le fils ne s'y intéressait pas, ne voulait pas s'y rapprocher. Mais les gars se sont rendus compte que le fils se rapproche de plus en plus, surtout qu'il y a un mouvement des franquistes qui s'est mis sur pied, qui œuvre, qui travaille demain, qui appelle
à la candidature du fils si le père n'est plus. Les gars se disent, mais non, nous n'allons pas laisser faire ça. Si le fils prend ça, alors que nous avons les moyens, nous avons tous les moyens. Commençons à activer tous nos leviers pour mettre en difficulté ce régime. Tu vas entendre, tu vas écouter, tu vas entendre ça. Les clans à Yaoundé, c'est grave. Et qu'on soit d'accord ou bien qu'on ne soit pas d'accord, dans la stratégie de Paul Biya, il fait exprès de donner toute la délégation de signature, des prérogatives de sa signature, au secrétaire, à la présidence de la République. Un, c'est pour se cacher. Ce n'est pas le but de Paul Biya. Ce n'est pas d'affronter directement ses adversaires. Il va trouver quelqu'un qui va jouer le jeu, le rôle. C'est pour ça que Ngongo peut bénéficier de tout. Même les histoires de vol, il a volé comme tout le reste. On ne va pas l'arrêter. Parce qu'il a décidé de se sacrifier. Et Ngongo ne sera jamais, il ne veut pas être président. Calme ça. Il sait qu'il n'est pas là pour être président. Calme ça, c'est ton topo. C'est un construit. C'est voulu dans la politique de Paul Biya. Et c'est ce que les Francs sont en train d'expérimenter. Les Francs Biya font exprès de laisser tranquillement la délégation de signature. Ngongo qui est un proche de Chantal, c'est un deal. C'est un deal. Ngongo doit être l'homme qui doit donc affronter toutes les adversités de Paul Biya. C'est pour ça que la plus grosse bêtise de la classe politique camerounaise, au lieu d'orienter toute leur frustration à l'endroit de Paul Biya, où ils orientent la frustration, ils orientent leur frustration sur la personne de Ngongo. Dis que je suis du clan de Ngongo. Ouf. Je fais juste une analyse objective. Et ça n'a pas besoin du clan. Tandis que toi, tu fustiges Ngongo. Paul Biya, son fils, toute la famille, ils sont cachés et ils se régénèrent. Toi, tu perds ton énergie à fustiger un individu qui n'a aucun pouvoir, qui est supplétif, un homme lige, qui a juste décidé de se sacrifier pour l'atteinte des projets de la famille Biya. Mais lui, en compensation, il aura le bien matériel et les faveurs qu'il pourra avoir. C'est tout. C'est pensé, c'est voulu. Le fils va utiliser Ayolo comme étant celui-là en qui faire confiance. Et ils ont fait exprès de créer au sein de la présidence cette dualité. Le camp Ngongo et le camp Ayolo. C'est la présidente de la République qui a fait exprès de créer cette immunité. Parce que s'ils s'entendent, ce n'est pas bon pour la famille Paul Biya. Tu entends ça? Ça fait que les deux éléments vont être utilisés pour neutraliser tous les réseaux fractionnels qui gravitent autour. C'est pour ça que quand tu n'es pas du camp de Ngongo, tu es obligé d'être du camp de Ayolo. Mais Sanga Nyamdi peut te dire plus pour ça. Mais Sanga Nyamdi, son camp, c'est Ayolo. Tu entends ça? Amou Goubenga, son camp, c'est Ayolo. Attends, dit son camp, c'est Ngongo. C'est fait exprès. C'est la science politique. Mais ils ont perverti. Tout ceci participe à préparer le fils. Tu ne veux pas, tu peux discuter. Mais c'est ça.
Ils n'ont aucune décision. Ayolo ne sera pas inquiété. Ayolo a juste été utilisé pour asseoir un projet. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont des intelligences, hein? Gérer des états, c'est pas facile. On gère pas un état, Obia l'a dit. Il y a beaucoup de combinaisons qu'il faut prendre en compte. Donc tu vas donc comprendre que le projet de Zogoé mûrit depuis. Attends, je te fais écouter d'abord ça. On m'a donné ça aujourd'hui. Cette petite partie. Après les émotions là, hein? Nous on a laissé, on a aussi baigné dans les émotions. Maintenant, il faut qu'on dise la vérité au peuple. Laissons les émotions. Il faut lire, avoir une lecture politique. Écoute, écoute, c'est le journaliste de machin qu'on accuse de tout. Écoute ce qu'il dit. Je te fais écouter juste une petite partie avant de revenir t'expliquer. D'une source qui disait très clairement pour lui qu'il y avait bien deux commanditaires. Il n'a pas nommé le deuxième. Sans doute parce qu'il y a aussi beaucoup de peur, hein, dans ce dossier. Mais enfin, pour lui, il est très clair qu'il y a une partie qui concerne la torture et il y a une partie qui concerne l'exécution. Et que ça, selon en tout cas lui et son interprétation du dossier, il sait. Je te fais juste écouter cette petite partie. C'est le journaliste là, Reporter sans frontières. Il est au Cameroun. Il donne une interview. Moi, c'est la vidéo qui m'intéresse là, la dernière partie. Il dit ceci. Qu'aujourd'hui, il est évident qu'il y a deux commanditaires. Et il finit, il dit, il y a un commanditaire pour la torture. Et un commanditaire pour l'assassinat. C'est chaud, hein? Et rappelez-vous que Amouk Belinga, ils sont pas bêtes. Le grief qui le met dedans, c'est complicité à la torture. Il ne pouvait pas aller au-delà. Il ne pouvait pas. On ne pouvait pas aller. On sait qu'il n'a pas tué, qu'il n'a pas assassiné. Soit d'accord ou soit pas d'accord. Nous, on est dans l'analyse. On ne dit pas ça pour aller s'asseoir demain sur Vision 4. Ce ne sont pas nos amis, ce ne sont pas nos amis. Mais on doit te dire, on doit analyser de manière froide la situation. On doit analyser de manière froide. Et le malheur de cet homme, on va vous expliquer pourquoi ça a marché. Les galons. Oh, le président de la République, les fans doivent se rassurer qu'il doit toujours avoir deux rivalités à la présidence de la République. Si tu n'es pas avec Gongo, tu es avec Ayolo. Et je vous ai dit que Ayolo, c'est la personne par lequel Franck Biya agit sur le plan institutionnel. Et Ngongo est la personne dont la première dame agit sur le plan institutionnel. Mais Franck et Chantal, aujourd'hui, s'entendent. Maintenant, c'est pour ça qu'il n'y aura pas remaniement. N'attendez, les histoires de remaniement, Paul Biya ne remanie rien, il ne peut pas remanier. Le gouvernement qui est en place, c'est un gouvernement qui va poursuivre jusqu'à 2025. Il n'y a pas de remaniement. Ça, c'est une certitude mathématique. Ce remaniement va accompagner jusqu'en 2025 pour les élections. Parce que la plupart ont participé à consolider ce pouvoir. Or, ceux qui sont à l'extérieur, la famille Biya a laissé expressement. Ils ont laissé circuler expressement qu'un Gongo a un appétit pour le pouvoir en place. Et directement, et que lui, il a plus de chance. Parce que Franck se cachait, Franck ne se montrait pas trop. Il a plus de chance d'avoir le pouvoir. Et s'il a le pouvoir, il pourra neutraliser les autres. Dans cette circonstance, les autres dont nourrissent aussi l'ambition,
de prendre le pouvoir. Et ils se sont préparés. Dieu dit bien, ils se sont préparés. Et prendre le pouvoir, ce n'est pas de manière démocratique. Tu m'entends? Il y a un truc que j'ai envie de dire ici depuis, mais je ne veux pas dire. Qu'est-ce qui se passe? On décide. Parce que le but aujourd'hui, dès 2005, avant 2025, si. Parce qu'on ne sait pas. Si Paul Biya est vivant, il sera, on va le présenter, on va présenter sa candidature. Mais entre-temps, il faut toujours préparer le fils face à toute éventualité. Mais la préparation du fils, il ne faut pas que le fils soit persécuté. Parce qu'il y a des forces et des collaborateurs de Paul Biya qui ont émergé en puissance, qui peuvent mettre en difficulté la succession du fils. L'une des premières stratégies, le fils va bénéficier de l'expertise de son père dans l'instrumentalisation du tribalisme pour neutraliser l'opposition. Parce que l'une des choses qui neutralise le plus l'opposition aujourd'hui, c'est le tribalisme. C'est clair. Allez voir les gens. Ils vont vous dire, ah non, 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 comme tout, c'est un barbecue, on ne va pas à tout ça. Alors qu'on sait très bien qu'il porte une cause juste. Cet homme est sincère. Et pourquoi? Parce que la constitution du Cameroun condamne la haine tribale. Mais comment comprendre, en tant que Camerounais, que vous avez des éminents professeurs qui savent, qui ne sont pas ignorants des lois de notre pays, mais qui viennent quand même dans des plateaux de télévision indexer des tribus sans être inquiété, pas une fois, pas deux fois. Avec telle aisance, une détermination, un tel courage, un mépris, une condescendance. Mais ces individus ne peuvent que se comporter comme ça si et seulement sinon que l'onction de la présidente de la République. Donc c'est pensé, c'est planifié. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On leur a dit. C'est pour ça qu'ils peuvent insulter les Bamlékés. Clairement, même sur la toile, partout. Le message est clair. Il faut insulter. Mais vous nous aurez sur votre chemin. C'est pour ça que le 1er juin, peuple Bamléké, il faut vous réunir. J'ai appris, on m'a parlé de ça, cet événement. Nous devons faire cette rencontre, le nôtre. Être fiers de notre rivalité. On ne peut pas moquer un peuple de manière continuelle. Sinon, nous allons vivre ce que nos frères du sud et du nord-ouest sont en train de vivre. Il est important que la solidarité puisse s'amplifier. Parce que les autres le font déjà. Quand on l'a dit, ce n'est pas la division mais la haine. Mais c'est que dans ces circonstances, de plus en plus, où il y a processus d'ébouquimisation du peuple babiliqué à des fins politiques, il est important que ce peuple se construise et se fabrique pour échapper à tout projet mortifère pour décimer ce peuple. Parce que ce construit de haine permanente contre ce peuple est un danger pour la survie de ce peuple. Parce qu'ils savent la détermination de ce peuple. Le 1er juillet, moi, je vais me rendre là-bas. Il faut, parce que, il faut apprendre aux nôtres, à nos enfants, à nos descendants, à tout le reste. Il faut les expliquer. Parce que cette vocation voulant effacer la mémoire de tout un peuple, nous ne l'accepterons pas. C'est un peuple comme tout le reste qui doit être respecté. Maintenant, quand on l'a dit, notre vocation n'est pas d'imposer une hégémonie à quiconque. On n'est pas là pour imposer ou bien pour dominer les autres peuples. Non, nous respectons. Mais le fait que nous soyons salis,
insulté, dénigré, matin, midi, soir. Il est important à ce peuple de construire une philosophie pour démontrer aux autres que ce que vous dites de ce peuple, vous vous trompez. Il y a une philosophie, il y a une hospitalité et un respect républicain. Il faut le démontrer. Il y a des valeurs. C'est important. Il faut construire cette fierté. Il faut être fier de ce que vous appartenez. S'ils disent aujourd'hui que c'est vous qui organisez toute la révolution, glorifiez-vous. Soyez-en fiers. Parce que vous avez décidé de ne pas être des fils qui vont lécher les fesses de ces individus. Vous réclamez juste une justice claire et sociale. Donc, participez, rassemblez-vous, c'est important. C'est ce qu'ils font. On ne va pas toujours recevoir des coups. D'accepter. Il faut organiser nos peuples. C'est important. Dites que j'ai tenu, je m'en fous. Je m'en fous. C'est ce que vous faites sur les plateaux de télé. Nous appartenons aussi à une tribu. Nous appartenons aussi à un peuple. Nous avons une identité culturelle. Mais si votre plan est de décimer, nous n'allons pas l'accepter de cette façon. Nous ne permettrons jamais. Et c'est ce qui se passe. Les gens viennent sur des plateaux, écument des plateaux de télévision, insultent, on les connaît, ils travaillent, on sait où ils vivent. Alors que la loi condamne cela, personne ne fait rien. Or, c'est un projet politique qui participe à phagocyter l'opposition déterminée. Mais vous n'allez pas réussir, car les Camerounais savent dans toute leur entièreté quels sont ceux qui portent les aspirations du peuple profond. Quand je l'ai dit, revenons sur l'aspect. Qu'est-ce qui se passe? Les services d'intelligence manœuvrés par Frambia, parce que c'est Frambia qui manœuvre tout aujourd'hui. Laissez-moi vous le dire. Il sait très bien quels sont ceux qui gravitent autour du siège de son papa. Et qui se sont construits financièrement. Et qui ont tissé toutes les alliances un peu partout. Et qui guettent au poste. Il faut les éliminer. Les disqualifier. Parce que le but de Frambia, pour lui, il estime que dans toute l'adversité, le challenge qui viendra à lui, il n'aimerait pas avoir des challengers à l'intérieur de l'établissement. Il a plus peur. Et il s'est dit que pour l'opposition, qu'avec le tribalisme, il va coincer Kamto. Il est sûr. C'est ça, dans leur pensée. D'ailleurs, ils vont amplifier le tribalisme, après ils vont coincer ça. Mais vous vous trompez. Nous aurions un discours unificateur, pacificateur. Les Camerounais vrais et pris de justice s'identifieront à nous. Mais maintenant, organiser nos communautés ne veut pas dire qu'on se sépare du Cameroun. Mais c'est que, face à vos projets mortifères, il est important de protéger les nôtres. C'est important. On ne néglige rien. On n'abandonne rien. C'est tout. Mais on va tout jouer sur le terrain politique. On va les disqualifier sur ce terrain politique. Qu'est-ce que les services d'intelligence font? Orientés par Frambia, il y a des appétits. Il faut mettre en difficulté. En fait, c'est un jeu d'échecs. On manipule tous ces gens. On organise le réseau des Belinka pour mettre en difficulté. Vous vous rappelez que c'est Ayolo qui demande au ministre de la Justice. Et Ayolo ne le fait que sous la pression de Frambia. On lui donne l'accord. On savait un but précis. On demande au ministre de la Justice. Parce que tous les collaborateurs de Paul-Bier, ils ont l'épée de Damoclès. On se rassure d'avoir, tous doivent avoir des casseroles. Le jour où ils veulent avoir trop de zèle, on les rappelle de manière brutale leur casserole. Que s'ils avancent de trop, ils se retrouvent directement en condamnés.
On instrumentalise, on demande à Ayolo d'instrumentaliser le ministre de la Justice. Parce que le ministre de la Justice, lui, sait très bien que le directeur du cabinet civil est plus proche de Paul Biya, a les dossiers les plus... C'est le directeur du cabinet civil, les affaires civiles, les affaires privées du président de la République, c'est lui qui gère ça. Donc, il est plus à l'écoute. Donc, quand Gongo nous bloque, parce que le ministre de la Justice n'aime pas Gongo, ils sont en rivalité. Heureusement que nous, on a notre circuit. Ayolo lui dit seulement. Et so. Dis donc, envoie la convocation au Djola. Le président est d'accord. On envoie la convocation, le gars est mal. Entre-temps, les mêmes services d'intelligence, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont dans le village de Ngongo. On coupe la tête du bœuf. On met les photos. Si c'est un Ngongo, on ne peut pas mettre sa photo, mais la photo pour lui. Ah, vous aussi. On coupe la tête du bœuf. On fait ce moment, on filme, on balance les images un peu partout. Ngongo se sentant mal. Il est même allé voir Paul Biya. Après qu'on a vu cette histoire, expliquer, vouloir comprendre, il était en difficulté, il était mal, il était devenu petit. Dans les confidences, on nous dit que le président lui a dit, fils, va travailler. Le président ne lui a rien dit. Il a réuni tout son bureau. Il ne comprenait pas. Les gars venaient de l'assommer. Or, c'était les services d'intelligence sous le patronat de Franck Biya qui organisait ça. Parce qu'il faut fragiliser. Parce qu'en même temps, Ngongo qui est la délégation de signature, ah oui, devant les autres, il a une certaine condescendance. Il faut de temps en temps lui rappeler que tu n'es rien. Si tu es ici, c'est en fonction du fait qu'il y a un décret qui est contre toi. Mais il faut un peu te bousculer pour que tu reviennes à la timidité dont nous t'avons connu. On instrumentalise ça. Mais Ngongo dans sa tête sait très bien que ceux qui l'ont fait, c'est le camp des Moutazé, les Amougou Beninga, etc. Il faut qu'ils se vengent. De l'autre côté, les Amougou Beninga ont un projet costaud. Ils estiment que après Paul Biya, c'est eux qui doivent avoir la réalité du pouvoir. Et je vous l'ai dit, il était le coursier. Ministre de la Justice et ministre des Finances. Ils avaient des ramifications un peu partout dans le monde. Lorsqu'ils ont décidé de prendre Télé Sud, la vocation était difficile, c'était de fabriquer, de préparer un individu qui devait prendre le pouvoir au Cameroun. Mais le business n'a pas marché. Mais je tiens à vous rappeler qu'en Centrafrique, Amougou Beninga sait exactement ce qui se passe là-bas. Et l'une des informations qu'il a liquidées, c'est pour ça que le gars des renseignements est en prison. Il est en prison parce qu'il a laissé passer certaines informations sensibles. Il a vendu ces informations à Amougou Beninga qui a vendu à l'État de la Centrafrique. Ces informations sont lesquelles? Rappelez-vous très bien que Touadéra va être renversé. Il y a de cela quelques mois. Bozizé décide de retourner. Qui est encouragé et soutenu militairement par Museveni de l'Ouganda, le président ougandais. Ou, pour entrer en Centrafrique, il faut une base arrière. Au Tchad, c'est impossible. Parce que Déby a tellement de problèmes, il a des problèmes avec la Séléka, qui ne peut plus se prêter à ce jeu. Et d'ailleurs, il a, au niveau du nord du Tchad, il a une menace contre son pouvoir. Donc, il n'est plus intéressé à ça. Le Cameroun décide, par la pression de la France qui a sauvé le régime de Paul Biya, on demande à Paul Biya de donner le Cameroun comme base arrière. Le Cameroun donne à Bozizé la région de l'Est comme base arrière pour qu'il s'organise militairement pour renverser le pouvoir de Touadéra. Cet individu, Amougou Beninga vend l'information. Écoutez, il est 22h30 à Paris. Il est 21h30 au Cameroun. Cette information, vous devez comprendre et questionner cette information que vous balance aujourd'hui. Ce monsieur qui collabore avec les agents du renseignement, il a cette information. C'est pour ça que Touadéra l'aime beaucoup.
Touadéra pouvait le sauver par tous les moyens. Ce gars d'Amougou. Amougou vend l'information que la base arrière, c'est le président centrafricain. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne s'entend pas avec Paul Biya. Il en veut Paul Biya parce que Paul Biya a donné la base arrière à Bozizé de s'organiser. Et rappelez-vous, lorsque les soldats de Bozizé veulent fuir, lorsqu'ils entrent au Cameroun, ils se cachent tranquillement dans les forêts. Quand l'armée de Touadéra vient et veut récupérer au nom de la collaboration des pays contre des rébellions, les militaires camerounais disent non, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Vous avez vu une vidéo comme ça circuler. Or, c'est du banditisme. Et Paul Biya le faisait sous injonction de la France parce que la France venait de sauver son pouvoir. Qui lui donne des recettes. Si ce n'était pas la Russie qui a décidé d'aider militairement et d'armer la Centrafrique, Touadéra ne serait plus président de la République. Donc le gars vend l'information. Or, Touadéra en veut au régime de Yaoundé. Et Touadéra est très d'accord pour que le régime de Paul Biya puisse tomber. Si le régime de Paul Biya tombe, il a une stabilité politique au sein de son pays. Il est à l'aise. Parce que Paul Biya, sous son régime, a décidé de donner son pays comme base arrière pour le déstabiliser. De la plus intérêt. Donc, dans cette vocation, Touadéra est donc très d'accord de dealer avec certains ponts de ce régime pour mettre en difficulté le régime en place. Voilà donc le coursier Amougou Beninga qui est d'accord d'un tel deal, qui estime qu'à partir de maintenant, d'ailleurs, le vieux, nous l'avons rendu service, nous avons travaillé pour lui, aujourd'hui, il est au crépuscule de sa vie, donc si nous, maintenant, pensons prendre la réalité du pouvoir, ça peut-être une bonne affaire. Et il ne tente de pas prendre le pouvoir de manière démocratique. C'est pour ça que Macron revient au Cameroun. Quand Macron revient au Cameroun, avec tout ce qu'on vous raconte là, derrière, il y a un gros deal. C'est pour ça que Paul Biya n'hésite pas de présenter une fois de plus, si je ne suis plus là, moi le père, vous deviez continuer avec le fils. Quand Macron descend, et n'oubliez pas le contexte géopolitique où la France veut mettre en difficulté la Russie dans tous les endroits où la Russie se trouve, l'influence russe se retrouve aujourd'hui. Quand Macron donc revient, derrière ce deal, il y a un paramètre de sécurisation. Le frontière qui a été très évoqué, mais qui a été parlé, mais on a surfé dessus. On est resté sur des questions périphériques. Mais où Paul Biya demander beaucoup de garanties. Et ce n'est pas pour rien que la France décide d'envoyer un ancien général comme ambassadeur au Cameroun. Ce n'est pas pour rien. Il faut mettre ses collaborateurs. D'ailleurs, aucun homme riche, homme d'affaires au Cameroun n'est pas sur écoute. Tous sont écoutés, on sait tout ce qui se passe. Alors, dans ce business, on sait très bien que ce monsieur Amougou Beninga a décidé de déstabiliser le Cameroun. J'ai une information que vous donnez depuis. Il faut qu'on vous donne l'information. Quand le président Maurice Kamto part à la présidence, ce n'est pas pour Bakassi. Nous avons les réseaux d'information. On peut le dire aujourd'hui. Allez relire la note sorti par le MRC. Il dit une question d'intérêt national. Attendez, bois mon eau. Vous parlez. Je ne veux pas dire que c'est vrai. Je suis convaincu que les gens qui voulaient déstabiliser ont dû consulter indirectement le président Maurice Kamto
pour qu'il rallie la cause. On est passé par d'autres personnes. Ça se passe comme ça. Allez voir le timing. Lorsqu'il parle à la présidence, avec le courrier, allez voir par la suite les choses qui se passent. Je suis convaincu qu'on l'a consulté. On l'a consulté. C'est pas une première. Il avait dit ça une fois. Après les élections. Il y a un groupe qu'il avait consulté pour organiser une réunion. Il a dit, lui, s'il ne partage pas ça. Son porte-parole avait parlé de ça. Ma bouche. Dans les gens, c'est la présidente de la République qui fait expressement passer une information à Jeune Afrique pour calmer l'opinion. Je vous donne le topo. C'était pour vous calmer. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas vous dire le contenu de ces lettres. Nous ne connaissons pas. Mais nous, moi je fais de la prospective. Hein, j'analyse. Mais je me base sur l'écrit du secrétaire national du MRC. Il dit que la lettre, c'était d'intérêt. Après, il a mis un pays, a mis tout ça. Mais tu vas dire, pourquoi il n'est pas fait? Si on veut déstabiliser, non. Ceux qui veulent déstabiliser le pays, ce sont ceux qui décident de ne pas marcher selon les principes démocratiques. Or, ce qu'ils attendaient de lui, c'est qu'il donne une caution, parce que lui, là, le peuple, c'est lui qui a. C'est lui qui tient l'opinion. Donc, s'il donne caution à ce coup d'État, ça légitime. Mais si ces gars prennent le pouvoir, les gorges, ce sont des bandits. On finit avec lui, il n'a jamais le pouvoir. Il est avisé. Il a plus intérêt à avoir Paul Biya en 2025 que d'avoir des mercenaires. Paul Biya, c'est un mercenaire lui-même. Mais Paul Biya est tenu par certaines conventions. Et lui, il connaît plus les fragilités de Paul Biya que cela. Donc, le risque de ce monsieur, et il vous l'a toujours dit, que même si je veux la présidence, ce n'est pas à tous les prix. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. On l'a toujours consulté. Il y a des groupes, des réseaux qui veulent organiser des rébellions. Mais c'est la rébellion. Moi, c'est pour ça, ce n'est pas les choses qui m'intéressent. Ce n'est pas des choses. Parce que c'est des prix à payer. Mais Soro a organisé pour que Ouattara ait le pouvoir. Où est Soro aujourd'hui? Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de sentiment. La présidence, c'est la présidence qui a donné l'information à Jeune Afrique pour calmer les Camerounais, que c'était M. Bakassi. C'est les histoires. C'est pour endormir. Et nous, on a amplifié ça ici que Bakassi, non. Va lire le test là. Problème concerne des sécurités d'État. Après, on dit, ah mais on embrouille. Le test même, tu lis ça, tu ne comprends rien. Mais ça donnait beaucoup. Il y avait beaucoup d'indicateurs dans ce test. Moi, ça avait le recul et mon analyse que j'ai compris. Mais pourquoi le président avait le risque que ça peut comporter? Avec la manipulation de l'opinion. Mais quelle était l'utilité de ce courrier aller à la présidence de la République avec toute la diffamation? Or, ce courrier renseignait sur beaucoup d'éléments. Lorsqu'ils ont donc compris, ils ont donc compris qu'en réalité, ils se mettaient un projet en place pour mettre en difficulté le régime. Pour mettre en difficulté. Et on sait. Qu'est-ce que les gens ont fait? Malheureusement, il y a certains journalistes qui ne se respectent pas. Quand vous faites une vocation, faites-le d'abord par amour, par passion.
Nous autres, on fait ça par passion. C'est pour ça que si Dieu avait l'argent, ouais, mieux nous donner. Pour que nous, on change, on te dit mouf. On te dit mouf. Même si tu nous donnes les cadeaux, tu nous donnes l'argent, on bouffe, on mange bien même. Après, quand tu veux y aller, parce qu'il y a d'autres qui viennent subtilement, j'aime ce que tu fais, j'aime ton combat. Après, il te dit, ouais, fils, pardon, prends même ça pour tout doucement. Moi, je prends où? Je prends. Je mange. Tant que tu ne m'as pas dit que c'est un démon, je mange. Maintenant, quand tu me donnes, tu veux déjà m'orienter. Je te dis, hey, stop. Tu te dis que, mais le gars, s'il ne sait pas que c'est moi qui lui donne, je te dis, et puis quoi? Quand tu ne me donnais pas, je ne vivais pas. On te zappe direct. Tu entends ça? On ne blague pas. Parce que notre combat que nous menons, il est noble. On ne le mène pas parce qu'on veut manger ou bien l'argent. Après, on va s'asseoir sur Vision 4 du jour au lendemain. Jamais. Des choses comme ça ne peuvent pas nous arriver. On est fatigué, nous, on s'assoit à la maison. On ne va pas décourager les gens. Le peuple ne peut rien faire. Le peuple, vous n'avez pas fait. Ils ont les armes. Non. Même avec les armes, les régimes sont tombés. Voilà le discours optimiste que nous allons tenir. Jusqu'à la fin. Et ce régime va tomber. Frambia ne sera pas président de la République. Je vous l'ai toujours dit. C'est une certitude. Ne sait pas dangereux quand on ne l'a pas vu. Mais quand on l'a vu, il n'est plus dangereux. Le malheur de Frambia, c'est que nous, on le voit. Les autres, dans notre pays, là-bas, les autres, non, ils vont faire, machin, vous allez faire quoi? Ils ont des armes. Et puis quoi? Il n'y a pas les armes ailleurs. Nous allons les mettre en difficulté. C'est pour ça que nous travaillons. Inscrivez-vous. Les inscriptions, si les listes n'est pas en adéquation avec la stratégie, il ne faut négliger aucun paramètre. N'écoutez pas. Les illusionnistes, ne les écoutez pas. Des batteurs. Inscrivez-vous massivement. L'un n'exclut pas l'autre. Voilà le discours d'un politicien avisé. Voilà le discours qu'il doit tenir. Il ne doit pas dire ne vous inscrivez pas. Ça ne fait... Non, c'est un dangereux. Inscrivez-vous massivement. L'un n'exclut pas l'autre. Nous devons contrôler tout. Tous les paramètres. On ne simplifie rien, on néglige rien. Inscrivez-vous et massivement. Ne négligez rien. Celui qui vous tient discours. Non, vous vous inscrivez pourquoi? C'est une contradiction. On ne peut pas attaquer. Pour... Non. L'un n'empêche pas l'autre. Tu entends ça? Inscris-toi. Ne te décourage pas. Inscris-toi. Tout ceci participe à une stratégie. Maintenant, la stratégie, par essence, elle est secrète. Le reste, vous verrez. Faites seulement. Faites déjà ça. Faites déjà ça. Voilà. Quand on l'a dit, on n'a pas balayé toutes les autres options sur la table. Mais commençons par là. Et c'est plus démocratique. Inscrivez-vous. Il ne faut pas régner. Ne voyez pas quelques gens, quelques tétamas gesticuler un peu partout, se prostituer et croire. Est-ce que ça ne vous décourage pas? Oui, nous l'avions dit. La sélection naturelle fera son travail pendant ce temps. Il faut nettoyer. Il faut vider. Ceux qui devront rester sont ceux qui ont la ferme conviction. Je vais trop durer. Je suis obligé parce que je ne fais plus trop de directs. Je ne fais plus. Je suis très pris. Même si je fais trois, il n'y a pas de souci. Il faut que je termine ça. Donc, avec ces informations, il se rend compte que, en fait, parce que tout le monde est conscient que Biya ne pourra pas laisser ce pouvoir comme ça, jamais. Jamais Biya ne peut laisser le pouvoir. Si pas, c'est un Biya qui va continuer. Et les autres qui l'ont servi se disaient que le fils était écarté. Lui, c'est un businessman, il n'était pas intéressé. Mais il se rend compte que même le fils, même Gongoko les a vantés. Maintenant, le fils aussi vient. Non, qu'ici, il faut prendre cette histoire. Sinon, c'est gars, il va prendre. Et donc, dans les écoutes et dans plus des éléments, ils se sont rendus compte que Amougou Beninga était pour beaucoup en complicité avec les services d'intelligence. C'est pour ça que le monsieur de Justin Diawela, il est dans une prison dorée. Il va sortir. Calmez-vous, il va sortir. Il faut donc mettre une opération pour neutraliser l'individu.
Et je vous l'ai dit, les services d'intelligence qui travaillent sont sous le patronat de Frambia. C'est le procédé. Son père n'est plus la force. C'est lui qui doit continuer le procédé. Et beaucoup sont là. C'est pas naïf. Tous, beaucoup sont là. Ils travaillent. Ils instrumentalisent seulement certains caciques. C'est eux qui créent les émissions. Ils peuvent faire s'entendre. C'est eux qui font. Bien sûr, le gouvernement de Biasantan, lui, il est mort. Il sait qu'il est mort. Ce monsieur a toujours et son seul slogan, pour mieux régner, il faut diviser. La règle ne peut pas échapper à ses règles. Il a fait exprès de monter les uns. Il a divisé les familles. Il divise les Camerounais. Il divise les tribus. Il divise les ennemis. C'est sa politique, c'est comme ça. Et son fils reprend la même science et continue avec. Or, les camps s'attaquent alors que la vraie famille, ceux qui doivent continuer le pouvoir, sont là. Oh, les Amogou attaquent, ils croient que c'est Ngongo qui veut le pouvoir, alors que Ngongo n'est qu'un supplétif. Mais il faut en finir avec Ngongo. Donc quand ils partent couper les têtes de bœufs là, les groupes là, c'est les Bia qui organisent ça. Ngongo sait que c'est les autres, dont il a haine contre eux, ceux d'en face. Et d'ailleurs, le reste le convoquait. Lorenzo l'a convoqué. Mais pour que le secrétaire à la présidence se déplace, il faut une autorisation spéciale du président de la République. Même le président de la République ne savait pas. Oh, on a dit Ayolo, et Ayolo, je vous l'ai dit, que Ayolo est la main institutionnelle de Frambia. Et Ngongo est la main institutionnelle de Chantal Biya. Donc, il manœuvre. Qu'est-ce qui se passe? Comment on doit donc mettre en difficulté? On appelle le journaliste qui lui, on sait très bien, parce que tout le choix est bien circonscrit. On sait que celui-ci a une verve. C'est quelqu'un qui n'a pas, il parle. Et si ça vient de la présidence, il a toutes les garanties, toute la possession. On prend quelqu'un de lui, on lui donne voilà, les documents. Le ministère des Finances. On dit voilà ce que le gars fait, voilà, 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 voilà. Et comme la plupart des journalistes sont suspendus, on dit non, il y a l'argent. Ils le font pourquoi? Parce qu'ils savent que l'autre, ce qui les supporte le plus, c'est qu'on parle mal de lui. Amourou Beninga est quelqu'un, quand tu parles mal de lui, il veut te faire la peau. Il doit se venger contre toi. Par tous les moyens. Il doit te faire un truc de mal pour que tu ne prononces plus. S'il ne peut pas t'envoyer en prison, ce n'est pas le moyen, si tu n'es pas léger. Mais quand Martinez Ogo commence à faire les sorties, Amogou Beninga est conscient que, en fait, Martinez Ogo, derrière lui, il y a des tentacules, il y a des mastodontes. Que même s'il tente de l'attaquer sur le terrain judiciaire, il ne va pas s'en sortir. Il sera bloqué. Parce que le gars ne peut pas faire des sorties comme ça. Prononcer de certaines personnalités dans de tels dossiers. S'il n'a pas la couverture d'un réseau. Qu'est-ce qu'on fait? On sait très bien que Justin Ndaoué, le chef des opérations à DGRE, est aussi proche de Amogou. On entre en deal avec lui. Parce qu'il y a des concessions qui sont été faites. Il a décidé de se sacrifier. Là, il va sortir, c'est rien, vous allez voir. Lui sera calme, tranquillement. Mais sa retraite est déjà arrosée. C'est le deal. C'est lui qui appelle. Et Amogou lui appelle que ben, tu ne vois pas comment, mais il m'a un bâché, parce qu'ils ont souvent l'habitude de traiter ensemble. Le gars dit oui. Or, pour Amogou Beninga, c'est qu'il faut taper un peu Martinez Ogo, l'effrayer comme on avait fait à Paul Chouta. Comme ça, il comprendra que ça vient en danger, il va se calmer. C'était de lui donner une bonne correction.
Oh, c'était planifié. Il décide qu'il va donner les moyens pour ça, pour la bonne correction. Mais entre-temps, les gars sont sur écoute. Il y a des infiltrés à l'intérieur du mouvement. On sait qui, tout ce qui se passe. Effectivement, on donne la correction, le torture, le tabasse correctement et bien. Mais on laisse Martinez au bout. Dès qu'on le tabasse, on le jette en route. Il y a un autre commando. C'est pour ça que l'intervention, je vous ai fait écouter l'intervention du gars de Reporters sans frontières, qui dit qu'effectivement, aujourd'hui, on peut être tous d'accord qu'il y a eu un commanditaire pour la torture et un commanditaire pour l'assassinat. Donc, les Amoukou Beninga torture. C'est pour ça que lui, il est accusé pour complicité de torture. Écoutez, la justice peut se tromper, surtout camerounaise là, surtout. Mais sur les coupables, quand elle veut chercher vraiment les coupables, elle sait très bien. Et la qualification de ces faits-là, ils n'avaient pas le choix. Ils savent que ce monsieur n'a pas tué. Ils savent que ce n'est pas Amoukou Beninga. Nous sommes obligés de vous le dire aujourd'hui. Parce qu'hier là, il y avait trop des émotions. Nous étions obligés. Mais si vous m'écoutiez, au départ, j'étais clair dans ma posture. J'avais cette lecture au départ. Mais puisque l'opinion, parce que ce que les autres ont fait, ils ont travaillé, et ce qui n'a pas aidé à mon goût. C'est pour ça que, quand vous n'avez pas l'opinion publique, méfiez-vous dans toutes vos démarches. Amoubou n'a pas donné sa télévision pour aider à plus de justice sociale. C'est pour ça que les gens l'ont liquidé. Je vous assure, si c'était un individu comme Séverin Tchouka impliqué dans ça, jusqu'au jour, je sais que Séverin Tchouka ne serait pas arrêté. Si c'était, je suppose, pas qu'il était plus. Si c'était Séverin Tchouka qu'on soupçonnait même seulement, on ne pouvait pas l'arrêter. Parce que l'opinion devait travailler pour que Séverin Tchouka ne soit pas arrêté. Parce que c'est vrai, Tchouka, il a toujours laissé sa chaîne à travailler à l'émancipation, à l'éducation des peuples. Il n'est pas entré dans des logiques d'anti-chave contre des ennemis, contre un parti politique. Il n'a jamais fait ça. Or, Amoukou Beninga a fait beaucoup de mal aux Camerounais. À beaucoup de Camerounais. Donc, la plupart des Camerounais, moi-même, je voulais qu'il en dedans, pour vous dire vrai. Pas forcément à cause de l'affaire de Martinez. Hein. Parce que c'est un monsieur qui a participé à amplifier par sa chaîne de télé la haine tribale au Cameroun. Bon, on a laissé les émotions jouer. On était obligé de laisser que ça joue. Mais on savait que la vérité devait exploser un jour. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont torturé le mec, mais ils l'ont liquidé comme on a jeté Paul Chouta, comme on l'avait menacé. Ils ont fait pareil. Parce qu'ils savaient que tuer, et je vous l'avais dit au départ, qu'il serait quand même très difficile pour Amoukou Beninga de tuer ce monsieur, parce que forcément, tous les soupçons devaient retourner sur lui. Maintenant, torturer, c'est autre chose. S'il ne tuait pas, ça n'allait pas avoir la même portée. Si Martinez vivait, la même portée que cet événement a eu ne devait pas avoir la même portée. Donc forcément, il ne devait pas être incriminé. Et surtout qu'on n'avait même pas trouvé des preuves. Avec toutes ces connexions et tout, le ministre de la Justice, tout, ça devait se calmer. Mais c'est le meurtre et la façon dont le gars a été tué qui a ému tout le monde entier. Et ce monsieur n'avait pas intérêt parce que tuer Martinez Ogo, le premier soupçon devait retomber sur lui. Ça devait être très costaud. Même s'il est idiot, même s'il est bête. Je vous l'ai dit. Même pour ses affaires, il ne pouvait pas s'orienter dans un tel projet d'assassinat de cet individu. Ça devait jouer contre lui. Et la preuve en est que ça joue contre lui. Ils ont des difficultés. Ils ont véritablement des difficultés. Quand ils ont torturé, parce qu'il fallait laisser une leçon pour calmer ce monsieur, le deuxième commando qui était donc chargé d'éliminer. Les gars se sont rassurés de couper la langue, de torturer comme vous avez vu, d'aller jeter dans ce coin
ou après 2 jours. Merci. On me dit, bois encore de l'eau. Merci, je vais boire de l'eau. Merci. Excusez-moi d'être très, très, très... Je sais que je prends de votre temps, il se fait tard. Vous le préparez, mais je suis obligé de liquider ça aujourd'hui. Sinon, je ne pourrai plus sortir. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'est très long. On aurait donné la possibilité aux gens d'écouter tout ça. C'est très long. Mais c'est important. On jette le corps, comme on a jeté. On se rassure de montrer l'image après quelques jours sur la toile. On construit une certaine opinion. Ça crée les mois. Etc. La reine s'adivoie et tout le mécanisme se met en place. Amougou est arrêté, on jubile, etc. Tout le monde. Il est détendu. Mais quel est le grief? C'est de complicité de torture et le reste. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'est inculpé pour assassinat. Personne. Ni les commanditaires, on ne les connaît pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi ce flou? Et rappelez-vous, même si on est contre les chefs, et c'est ça qui avait encore maintenu notre réflexion. Quand les chefs sont sortis, les chefs ne se sont pas attaqués à Amougou Beninga. Ils ont fait des déclarations fortes jusqu'à dire qu'ils vont donner le corps de Martinez Ogo. Ils vont amener le corps de Martinez Ogo à Etoudi. Je peux bien. Une façon de dire que c'est Paul Biya qui est responsable de la mort de leur fils. Directement, ils étaient convoqués, menacés. Et je peux comprendre qu'il est souvent très mal compris. Qu'il avait la même vision, la même lecture. Qu'il sait très bien que ce meurtre, ce n'est pas Amougou Beninga. Mais il s'est mal positionné. Surtout que c'est souvent Tintin rigoleux et tout ça, on ne sait même pas s'il est souvent équilibré. Mais ce que Kevin nous dit, c'est que, analysons une autre piste, n'abandonnez pas toutes les pistes. Et la déclaration des chefs était si forte qu'on était obligé de convoquer vite les chefs. Et écoutez, on peut être critique envers sa chef, on peut tout dire. Mais nos chefs, qu'on ne le vaut pas, c'est quand même la sagesse. C'est quand même la sagesse. Et les chefs sortis tenir un tel discours, ce n'est pas des enfants. C'est un discours mûri, un discours réfléchi. Ils savent qu'ils même a voulu porter cette sortie sur lui pour protéger les chefs. Et les chefs étaient clairs. Nous allons déposer le corps de Martinez Ogo en Vomeka. Une façon de dire que c'est Paul Biya qui est responsable de la mort. Et on vous a rappelé tout ce qui s'est passé autour. On vous dit que le gars avait des gardes de corps, subitement les gardes de corps ont disparu. Parce qu'il a demandé au gardes de corps. Il est allé chez le directeur, le délégué à la sécurité nationale, qui a refusé de le recevoir. Donc il y a tellement de complicités établies au niveau de l'État, parce qu'il fallait liquider cet individu. Donc, Martinez Ogo était l'élément qui devait liquider Amougou Beninga. Pas parce que Amougou Beninga a volé. C'est eux qui ont nourri, qui ont tout donné à Amougou Beninga. D'ailleurs, Paul Biya, pour qu'il puisse se maintenir pendant 40 ans, il faut qu'il laisse ses collaborateurs voler. Tous sont des voleurs. Tous. En commençant par lui, Paul Biya. Il sait comment ça se passe. Et Paul Biya ne pourra jamais poursuivre ses collaborateurs à cause du vol. Il sait comment ça se passe. Mais la plupart de ses collaborateurs sont poursuivis en fonction du fait que ceux-ci commencent à guetter son pouvoir. Donc, pour liquider cet individu, ils n'ont pas liquidé parce qu'ils ne doivent bien rendre justice à Martinez. C'est les salades de café de commerce. On liquide Martinez Ogo parce que Amougou Beninga est dans un projet costaud pour prendre le pouvoir au Cameroun et empêcher Franck Biya. Et Franck Biya, à l'heure où je vous parle, va éliminer tout. Je dis bien, il va éliminer tous les collaborateurs de son papa.
qui s'essayeront de guetter ce siège. Parce que ce siège est sa propriété privée. C'est pas pour rien qu'il fait toutes ces balades maintenant. C'est lui qui sort. Le 6 novembre, je vous l'ai dit, Fambia est le prolongement physique de son papa. Il a plus de légitimité que les collaborateurs de Paul Biya parce que c'est le sang. On s'agenouille devant lui. On l'acclame, en fait. C'est lui qui a fait nommer le fils de Mbombo Doya comme sénateur. La plupart de ça, c'est lui qui les a fait nommer en fonction de ses business et ses deals. C'est la nouvelle configuration politique qu'il est en train de mettre en place pour la prise effective du pouvoir le jour où son papa sera appelé dans l'au-delà. Voilà le schéma. Et l'un des adversaires les plus dangereux, l'un des clans les plus dangereux qu'il fallait neutraliser avant 2025, c'était ce clan d'Amougou, Bellinga. Mais pour le disqualifier, il fallait que ça bénéficie de l'appui de l'opinion. C'est pour ça qu'il y a eu un travail de certains journalistes, etc., qui savent les complicités. Parce que ce n'est pas anodin. Tous avec le schéma. Ils savent les collusions, les réseaux, etc. Ça a été savamment préparé. Parce que contrairement à l'éducation des peuples que nous faisons, d'autres font ça pour bénéficier des perdiennes. Ils savent. Mais le jour où on saura ça, tout va se mettre sur pied. Voilà donc le véritable responsable de la mort de Martinez Zogo. C'est Franck-Emmanuel Biya qui est responsable de la mort. Donc, si on doit inculper un individu pour assassinat, c'est Franck-Emmanuel Biya. Et l'autre doit être là-bas derrière pour complicité de torture. Mais ce que j'ai envie de dire, parce que les gens blaguent, ce monsieur ne sortira pas de prison. Avant 2026, il ne pourra pas sortir. Impossible de sortir de prison avant 2025. Et si, après 2025, Amougou Bellinga sort de prison, on va le diminuer, il sera réduit à rien, sa sphère d'influence réduit, on va l'écraser, et c'est pour ça que si Vision 4 continue à s'entêter, qui ne rêve pas, on va les piétiner. Qui ne rêve pas, on va les piétiner. C'est l'otage de Franck Biya parce qu'il a osé balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de Paul Biya et Franck Biya. Voilà ce qu'il amène. Donc Martinez Zogo a été liquidé expressement pour qu'on livre la tête d'Amougou Bellinga à Franck Biya. C'est pour ça qu'il ne sortira pas. Il faut que vous compreniez ça. Vous êtes en train de dormir, de sommeiller, mais comprenez que Franck Biya a décidé de prendre le pouvoir après son papa. Il ne va laisser ça à personne, même s'il faut liquider. Et il sait très bien que la véritable menace, c'est à l'intérieur. Maintenant, il faut nettoyer. Et c'est ce qui se passe. Et dans ce grand nettoyage, il y a des deals. Il y a des revirements que vous allez voir dans l'opposition, des négociations, tant dans la diaspora qu'à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a un construit aujourd'hui. On refuse une autre offre sous la coupole du tribalisme. Il y a déjà une fabrication de l'opinion publique qui dit « Bêta, on prend Franck Biya que d'accepter un Bamlegué. » C'est des choses que nous devons déconstruire. Le Bamlegué n'est pas moins camerounais. Il est camerounais. Il faut déconstruire ça. Et ils sont en train de fabriquer tout cela. Donc voilà ce que nous devions vous servir. Il fallait qu'on vous le dise. Soyez veillés, peuple. Maintenant, ne me demandez pas mes sources. Va aussi faire ton approche, va faire ton analyse, va lire, mais n'oublie pas que voilà l'orientation. Le véritable assassin de Martinez Zogo s'appelle Franck-Emmanuel Biya. Mais calmez-vous. On peut tuer certaines personnes, mais on ne peut pas tuer tout le monde. Il y a d'autres qui verront l'émergence de nouveaux Cameroun.
Et ça, c'est une certitude mathématique. Ce monsieur ne pourra pas être président de la République. Nous allons le mettre en difficulté. Nous ne nous préparons pas seulement au départ de son père, mais aussi à son départ, à toute la famille. C'est clair. Laissez-moi ce famélique-là, je ne veux pas parler de lui. Il a faim. Quand quelqu'un est suspendu aux réclamations stomacales, ça me pose un problème. Si tu n'as pas fait un dépassement sur le plan physiologique et que tu t'engages en politique, moi, je ne peux rien pour toi. Qu'il se retrouve aujourd'hui à Vision 4, c'est son problème. Ils seront plusieurs comme ça qui vont nous lâcher, nous insulter, nous montrer, nous démontrer que nous sommes dans l'erreur. Mais nous, tenons de la résilience, c'est important. Il n'est pas le seul, il y a plusieurs qui sont partis. C'est clair, c'est le nouveau Cameroun qui se dessine. Ce n'est pas avec tout le monde. On ne peut pas faire avec tout le monde. Il faut ce nettoyage. On a besoin des hommes de conviction et de détermination. J'ai trop duré, je sais ça, mais c'est important. Je suis moi-même déjà, je suis fatigué, humainement fatigué. Portez-vous bien. Je serai davantage très rare sur les réseaux sociaux. Excusez-moi d'être rare. Il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, vous serez informé. Je suis tranquille, je suis en santé, je suis en paix. Dormez tranquille. Si vous ne me voyez pas, laissez-moi. Je suis concentré quelque part. Merci. Portez-vous bien. Bonne soirée.